la page, recevoir l'équipement par le week-end passé à notre caravane changement. Président République, Jovenel Moïse prend engagement pour changer l'image de CDA qui est capable d'offrir en pile opportunité dans le domaine touriste et agriculture selon chef de l'État. Environ 30 écoles, PAPK a inscrit élèves dans l'examen officiel 2018 et puis PAPK a fonctionné pour l'année académique 2018-2019 parce qu'il n'y a pas de côté à l'air décision pour l'année qui se passe. Non page sport football américain remporté 8e derby Cayen. Côté de base, Juventus, yon gol à 0 à dimanche dans n'importe l'autre dans l'occasion. 4e journée championnat national, 2e division. Téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, gros bonsoir pour nous toutes. Jeudi, c'est lundi 9 avril 2018. Bienvenue dans l'édition Nouvelle Ça. Pourquoi il est là, c'est le moment pour nous recevoir collaborateur Wilner Polidor pour conditions météorologiques générales. Nous, lundi 9 avril 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble. Bonne semaine à chacun de vous et en allant comment conditions météorologiques pour jeudi, à week-end passé, semaine dernière, il y a un peu la pluie, mais week-end ça, prévoir pour que nous ayons un temps qui est particulièrement stable dans le début de semaine, mais en fin de semaine, car tu as supposé qu'il y a un front qui arrive sous nous, mais c'est pour jeudi, en allant comment situation est. Je nous remercie, mais ça dit là, c'est un temps qui vraiment beau sous pays d'Haïti avec soleil au cours de journée. La situation ça a généré par rapport avec zone de haute pression qui est pour renforcer au cours de journée et en soirée. Jean Noël est sous image ça et n'a pas tant nous avec un temps beau temps sous majorité département pays a, mais en soirée ou au cours de nuit là toujours gagner possibilité pour gagner quelques averses isolées et département qui concerné par averses ça aussi département et Antibonite centre et puis sud-est à la rigueur l'ouest aussi Grand-Est et puis sud qui capable gagner quelques averses isolées en soirée et au cours de nuit là mais c'est vraiment de des averses très très isolées à part de ça pour l'ensemble c'est beau temps sous tout département pays d'Haïti pour aujourd'hui pour capitale avec zone qui environnée, son capitale qui jouit de beau temps au cours de journée avec quelques développements nuageux en après-midi et en soirée. Possibilité pour gagner quelques petits averses isolées sous tête monio, mais ce n'est pas de grand, c'est pas de gros averses et c'est surtout sous quelques quartiers, mais tout quartier pas concerné par activité la pluie. Ça va pour aujourd'hui et nous avons température qui a monté jusqu'à 34 degrés aujourd'hui. La fait très chaud et température la descend à 22 degrés au cours de nuit là et encore au cours de nuit là la fait chaud parce que 22 degrés c'est un peu haut par rapport avec température minimale là. Pour la mer, c'est une mer qui peut agiter sous côte nord et Golfe Lagoon c'est une mer qui belle mais sauf que côte sud là au large la mer elle est agitée mais près des côtes c'est une mer qui peut agiter ça veut dire capitaine embarcation pas gain souci pour naviguer parce que vent c'est un vent en est nord-est et puis avec un mer qui peut agiter côte nord et côte sud pas gain souci pour le président public là Jovenel Moïse distribué samedi 7 avril là yon lot équipement dans il avache chef l'état qui était gain akli plusieurs ministres dans gouvernement prend engagement pour faire gros pas semaine dans Zilea yon zone qui d'après président Jovenel Moïse capable offrir en pile opportunité pour Haïti et spécialement dans affaires touristes et agriculture. Suivons au reportage Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay. Il a vache recevoir flotte équipement pâle pour réaliser travail caravane changement dans 26 localités qui sous Zilea. Ici là nous dans localité Madame Bernard. Yon nan zone kap fait face à un pile difficulté tant qu'au problème de l'eau, courant à coûte. Nous te parler sur éducation, nous parler sur environnement, nous parler sur de l'eau. Nous parlons sur l'électricité, nous parlons sur route, infrastructure, aéroport, port, touristes. Nous parlons sur tout problème, la police, la justice. Et le président a dit, magistrat, l'entendé au monde, l'image avec toute solution. Nous venons là, nous commençons. Pas oublier, ce n'est pas il a vache qui gagne, mais il a vache mérité ça. Il a vache mérité pour faire route là-dedans. Il mérite de l'eau, il mérite courant, il mérite tout projet de la ville. Visite président Jovenel Moïse dans l'île Lavache, vini une semaine après chef l'État a rencontré autorité locale sous situation l'île Lavache. Dans une semaine, chef l'État a mobilisé équipement avec différents ministres qui concernaient pour porter solution à besoin ça. Nous allons mettre toutes îles, nous allons arrêter. Pour nous dire, îles, ça. Un grès chimique pas qu'on doit utiliser sous lui. C'est un grès organique qui vous utilise.
Ça veut dire tout le monde qui fait jardin, nous pourrons rapidement ouvrir un bureau agricole communal sous Zile. Un bac qui pour un agronome là-dedans, il y a un agent agricole, il y a un monde dans Zile qui travaille sur lui, qui pour permettre tout le monde qui fait jardin, le ministère de l'Agriculture, il y a déjà ouvert sur lui pour comment on travaille pour nous que produits chimiques pas venir utiliser sous Zilea pour nous on Zilea écologique. Ça veut dire Zilea vol vert. C'est ça nous mesurons pour Zilea. C'est solution qu'on ne peut pas faire partie des problèmes. De l'eau, il lavage a bien de l'eau quand même. L'eau pour boire, l'eau pour vous jardin, l'eau pour mon bain, il lavage a bien elle. Nous finissons par les deux routes là, nous parlons de l'eau, nous parlons d'agriculture, qu'on y a nous parlons de courant. Parce que quand même nous connaissons. L'MDDI, avant de me dire 16 mois, depuis le 1er avril, il ne pas me dire 16 mois. Même si je suis allé dans le balambil, courant 24 sur 24, ou pas dans 16 mois sur toute commune qui est dans le pays. Président Jovenel Moïse prend engagement pour visiter l'île Vache de temps en temps. Il y a une façon pour assurer tout le travail qu'il a lancé avancer comme ça doit. Désormais, tout dossier zile ça qui était bloqué dans la route pral sous projecteur administration Moïse Lafontaine. Mission évangélique baptiste Sud d'Haïti MEBSH mette en bout dimanche 8 avril là dans 82e convention annuelle qui déroulait pendant 5 jours dans ville Okaï. Président public là Jovenel Moïse et plusieurs autres personnalités politiques t'ai participé dans cérémonie pour clôturer activité ça. Un autre reportage avec Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duverné. Pendant 5 jours convention MEBSH là, prédication yo t'est centré sous thème on ne pas négliger plan Salia. Devant une assemblée qui te gen la donne diverses personnalités religieuses, politiques et membres société civile là, président MEBSH là pasteur Alnève Émile encourager autorité yo prend en compte parole sagesse qui dégagé dans Bible et en façon pour éviter négligence qui ca la cause toute une nation échouée. Faites de la parole. Amen. Votre boussole. Amen. Faites de la parole. Vous songez en 2016. Tout de suite après le passage du cyclone, le président Lionel est venu dans le bureau. Il est là avec nous sur la table. Il est venu dans le bureau, nous passons au temps le matin. Et avant de déplacer, on dit, mais ça va bon comme cadeau. Vous songez, excellence? M'a dit, mais ça va bon. Comme? Cadeau. Et président te dit, promets-nous, m'balé. Amen. Amen. Ça c'est notre constitution première. La constitution du pays vient après. Est-ce que nous là? Une satisfaction dirigeant MEBSH dans l'occasion 82e convention mission. C'est construction route Simon qui passait devant l'église Tabernacle Simon. Yon plaque honneur mérite tal jeune président Jovenel Moïse dès que Anessa, moun qui vient dans la convention, pas prend poussière à clabou. Nous content est-ce que vous mettez toute force dehors pour route sa fête. Gen moun lè ou te wèl tracé ou wèl bosse a vini, et bien, n'a dit contre-mètre. Je dis, Elouet, président, à aucun route qu'a fait. Moi, je dis, avec le secours de Dieu, président Jovenel, toujours que mes paroles. Route la fête. Et, on passe la donne, ou elle, nous connaissons l'autre bagaille qui s'est toujours. Et puisque, on répond à l'invitation, et nous te sentis, c'est un honneur pour nous confier. Au nom de la mission, on plaque à vous-même. Et là, on va aller à l'Assemblée. Encore une fois, applaudis le frère de l'État. Chef l'État a félicité dirigeant MEBSH pour Jean yo accompagner l'État grâce à contribution mission ça dans plusieurs œuvres sociales en d'un pays à tant coup, construit l'hôpital, l'école, l'université à Clot encore. Un exemple, l'autre mission yo ta doit suivre.
c'est pour nous mettre ensemble. Aujourd'hui, pour nous retirer pays à la salle. Parce que moi-même, moi parler pour que je m'abdire pour nous construire route, pour nous mettre courant, pour nous mettre l'eau, construire l'école, construire le centre de santé, construire l'hôpital, mettre ambulance dans la commune, renforcer la police, là, l'armée que moi rétabli, qui là qui prend le travail au service du développement. Je dis à vous, maintenant, MEDSH, c'est une plus grosse mission que le pays a gagné. Parce que moi, ouais, quantité de travail d'évangélisation que vous faites dans notre pays. Moi, je connais qui quantité de l'école, l'université Lumière qui a une bonne formation dans le pays, au niveau éducation. Moi, je connais dans le niveau santé, dans l'hôpital, dans l'hôpital Bonnefin, nous connaissons qui c'est l'hôpital Zahé, ce n'est pas pour le Grand Sud, mais pour tout le pays. D'ailleurs, c'est pour ça que nous prenons une décision de faire route de l'hôpital Bonnefin. Nous avons asphalté la route, la sortie de travail. Mission évangélique Baptiste Sud-Haïti existait depuis 90 l'année. MEBSH étant ni sur ensemble territoire national, là, avec différents districts et puis environ une vingtaine de directions administratives. C'est une grosse structure évangélique pays d'Haïti qui arrive même dans pays étranger. Merci Sabine et puis Jean-Naël. Dans le département Nord-Ouest, Direction Générale Service Maritime et Navigation d'Haïti, Semana, organisé dans le finissement de la semaine passée, des journées de formation pour marins et capitaines bateaux. Si tout si yo qui habitait gouverner bâtiment passagers sorti pour de paix pour aller la Tortue, ou bien Saint-Louis dit non aller la Tortue d'après directeur général institution Dieudonné Bruno. Marc Edio Sam pour plus de détails. Une formation qui était réalisée dans l'idée pour te former et sensibiliser capitaine bâtiment yo sous façon yo doit traiter passagers yo avec précaution yo doit prendre les voyager parce que c'est moun y a transporté d'après directeur général service maritime et navigation Haïtia Bruno Dieudonné qui rappelé yo na wol semanal c'est protéger la vie moun. C'est une formation qui était basée sur information d'abord et sensibilisation comment pour moun yo comporter yo à bord bateau yo qui conduit à tenir les yo gagné comment capitaine yo amateur comment pour parler avec tout le monde qui a bon bateau yo, et comment tout pour utiliser bateau yo gagne à bon escient parce que c'est moun yo pote nous même au semana nous gagne pour nous protéger vie et bien PG semana te profité pour mettre by responsable direction régionale semana dans nord-ouest yon bateau recherche ak sauvetage cap utiliser leur gain urgence bateau ça la garder derrière nan là que nous te pour mettre là un bateau qui marqué recherche et sauvetage que nous portons pour le monde nord-ouest en cas de urgence, en cas de problème dans la mer. L'île pour être capable d'utiliser et nous demander pour utiliser la bonne escient. Délégué départemental nord-ouest, là, agronome Aurel Théo, qui était présent pendant l'activité, a annoncé une série de mesures qui pourraient rentrer en application dans le cadre d'un arrêté départemental, une façon pour contrôler le transport maritime dans le nord-ouest. Le code maritime, là, il faut mettre la journée en novembre 2017, là, il est publié dans le moniteur et toutes sanctions prévoient de ça. Mais pour une meilleure application de loi, ça, nous-mêmes, au niveau département, nous avons sorti un arrêté. Nous avons tout ça, nous dit là, il faut qu'il n'y pas sorti avant 5h du matin et après 5h du soir. Faut que bateau yo, les a quitté pour yo gagne autorisation de patence avec liste de passagers à bord. Faut que bateau li jauger un bateau qui gagne 18 pieds mais combien moun li capoté. Yo pral faire tout ça dans enregistrement bateau a. Faut que bateau a gagne un numéro semana bali. Yon séance formation qui réalisé nan moment bâtiment voilier ak ti chalou pas suspend fè naufrage dans département nord de Slar côté en pile moun disparaît ak sa ki mouri. Depuis Cité Capra la mort, Port de Paix, Mok Edi Osam, Antenne Télévision d'État.
L'autre information dans le journal La Santé universelle, accès et couverture pour tous. C'est sous thème ça, ministère Santé publique et population marqué vendredi 6 avril, la journée mondiale Santé A qui célébrée chaque 7 avril. Cérémonie en déroulée en présence 4 ministères, partenaires internationaux et plusieurs acteurs qui travaillent dans le domaine santé dans le pays. Rachel Saint-Fort, dans un compte rendu. Santé universelle, accès et couverture pour tous. C'est thème Organisation mondiale santé OMS Kembe Anissa pour célébrer Journée mondiale santé. Thème ça mette couverture sanitaire universelle là dans mitan préoccupation différents ministères santé dans monde là. Dans pays d'Haïti, ministère santé publique à population a parti couverture universelle dans domaine santé visé permettre tout le monde accès à service santé au besoin sans exclusion. Dans l'occasion Journée mondiale santé, ministre Marie-Greta Ouaklement rappelé opportunité occasion ça offri pour différents acteurs dans domaine nan travail ensemble pour un plus bon résultat. L'universalité qui en passant par l'équité, l'égalité devrait nous conduire à la globalité. J'ai pas déjà dit que nous sommes loin d'une situation idéale. Il n'existe pas de monde idéal. Nous devons faire avec notre contexte. Vous l'avez dit, il faut arrêter de gaspiller nos ressources. Ça doit commencer par nous. L'exemple doit venir du régulateur. Le MSPP veut profiter de l'opportunité pour prendre le ferme engagement d'encourager tous les acteurs intervenant dans le domaine de santé à intégrer la couverture universelle dans tous les plans et projets de santé qu'ils seront appelés à élaborer. Si nous voulons relever ce défi de couverture universelle, nous devons pouvoir compter sur l'appui, l'engagement et la collaboration de nos partenaires d'hier, d'aujourd'hui et de toujours. Représentant OPS ou MSLA fait connaître selon rapport mondial, plus passe moitié population mondiale n'a pas accès à service santé. Li explique santé universelle, c'est un investissement, un outil de développement et un travail collectif. La santé universelle n'est pas une affaire seulement pour la partie pauvre de la population. Il faut comprendre que l'objectif de santé universelle est une composante essentielle du contrat social, aussi avec l'éducation et la justice, pour que l'État se doive de mettre en œuvre pour renforcer sa légitimité sociale et politique. Pourtant, la santé universelle, plus qu'une dépense, c'est un investissement, c'est un outil pour le développement du pays. La population doit être en bonne santé. Dans l'occasion de commémoration Journée mondiale santé, responsable ministère santé publique à population yo remet plaque reconnaissance à différents responsables institutions pour service y a fourni population dans domaine santé et spécialement responsable l'école nationale infirmière au CAI qui c'est l'école qui plus performant pendant 10 dernières années yo dans formation infirmière dans pays ya, selon responsable yo. Responsable ministère éducation nationale et formation professionnelle publié vendredi 6 avril là date qui choisit pour déroulement examen officiel 9e année l'école normale institutée baccalauréat AXA CEP examen ça yo a déroulé sorti 11 rivé 29 juin d'après Manuel Jeune directeur général ministère éducation nationale et formation professionnelle. Directeur a dit gagnant réunion qui déjà faite avec responsable divers syndicats qui souvent qu'on voulait boycotter examen yo pour favoriser bon déroulement et preuve sa yo. Nous invitons à suivre un bout dans l'explication. On est presque prêt, puisque nous toujours dit que chaque examen, un mois avant, il faut toute fiche, toute bagaille disponible, et que le ministère lui-même l'a marché très très bien sous question ça. 9e année fondamentale l'a commencé 11 ou 13 pour tout pays. Pour retenir l'information, ça, la fête même l'heure avec ENI, et puis nous gagnons même l'heure aussi avec CEF. Donc, trois, ça va commencer ensemble, et puis bac unique, l'a commencé du 25 au 28. Bac permanent, et 25 au 28 juin. Ça, c'est bac unique. Bac permanent, et l'a commencé
nous dit entre deux semaines ça, soit semaine 18 avant 25 ou 28, ou bien semaine 25 après 28. Et dans la même période avec examen et bac unique. Là. Ça va dépendre de l'effectif nous jeunes là. Si l'effectif là est en pile, dans le niveau bac permanent, le ça n'a fait l'avant. Mais si l'effectif là n'est pas en pile, n'a fait la même période avec examen bac unique. Là. Il y a une rencontre qui était faite hier entre le ministre et le syndicat. Eh bien, la rencontre ça, elle était très harmonieuse. Et pour raison ça, moi, les soutiens avaient une conséquence très positive. Plus passé 30 l'école n'a pas autorisé à inscrire élèves pour examen officiel 2018. Yo. L'école Sayo n'a pas fonctionné pour l'année académique 2018-2019. Décision ça, vini à cause responsable l'école Sayo n'a pas poté à temps. Décision fin année qui saute passé à et puis n'a pas conforme avec le ministère de l'Éducation nationale. Établi pour fonctionner. Directeur général MNFPA, Manuel Jeune, expliqué, yo pral publié dans l'école Sayo et puis mandé parents yo pour pas inscrire petit yo dans l'établissement et scolaire Sayo. L'invite au suivre yon déclaration. Nous t'ai convoqué yo pour te vienne le lundi 2 et mardi 3 avril là pour te vienne dans Bunex pour te vienne dire qui raison qui fait non seulement il n'a pas répondu à l'exigence du ministère de l'Éducation nationale, mais les al côté, il a été comme adresse, il n'a pas répondu tout. Eh bien, Mounzao était au nombre de 41, je ne te dis là, maintenant 41, nous jouons seulement 9 dans qui présentaient. Pour le reste, qui au nombre de 32, le ministère de l'Éducation nationale retiré licence l'école ça. Donc moi crois que nous te gagne avia nous te gagne elle et bien à part de 9 ça yo et bien nous joignent 32 et ça yo au même ministère de l'éducation nationale li retire licence ça yo et très prochainement nous pral publier liste l'école que ministère définitivement retire yo yon façon pour personne moun pa di yo pa connait pour aller inscrire ti moun dans l'école ça yo encore. Parce que nous-mêmes nous dit l'école ça yo licencié pour nous-mêmes là voilà. Et nous faisons obligation pour nous porter tout document l'école ça qui dans main yo dans direction concernée faut faire avec rapidité et pour nous porter tout document qui te ba possibilité pour nous ouvrir porte. Nous parler de 9 que nous recevoir dans 9 ça nous recevoir ça qui était bien, même si vous êtes en retard, mais qu'il y a des gens qui ont fait inscription, vous même vous pas de possibilité ça. C'est direction départementale de l'Ouest qui a engagé pour ça. Ça veut dire, si vous avez fait inscrire, la direction départementale de l'Ouest qui prend aller lui-même la inscrit. Mais personne dans la catégorie ça n'a pas de droit pour inscrire et gens dans l'examen officiel. Confédération nationale enseignants d'Haïti a applaudi l'initiative ministre communication, éducation et formation professionnelle Pierre Josué Agenor Kadepran pour combattre corruption dans le ministère. Secrétaire général CNUH la Rose Thérèse Magali Georges mandé ministre éducation nationale là penché sur ensemble revendication professeur l'école publique yo. Yon l'autre bord responsable a dit yo paré pour dialoguer avec ministre éducation nationale là pour favoriser une autre qualité l'école dans le pays. Un extrait dans le micro, c'est quoi pas qui avec Moïse Wilwitch. Sa ministre a dénoncé à gon pas de vérité, c'est ça que nous dit, faut le total capital, faut le global. Vous comprenez? C'est dans tout aspect pour garder. Parce que s'il n'est pas total global, la paraît comme une série de monde ciblé, une série de monde approuvé. Donc nous connaissons la corruption qui est gardée dans le système. Et nous dénonçons. Et nous disons, et dans ces négociations de guerre, nous toujours demandé pour combattre. Et c'est ça que fait nous disons, dans notre nom, nous demandé pour mener la bataille dans tout niveau. Parce que si on ne mène pas dans tout niveau, et la mauvaise perception. Donc non, nous conscients, et cette corruption, c'est un des plus gros problèmes qui gagne dans le système. Nous prenons une chita avec le ministère.
Parce que dialogue, c'est un dialogue permanent. Le dialogue a fait pour aller au-delà de qui est-ce qui est ministre. Et c'est ça pour le comprendre. Vous comprenez? Pas oublier, si, ou l'autre dans le métier journaliste, ou qu'on est partenariat entre syndicat et ministère de l'Éducation nationale, signé depuis le ministre Gabriel Bien-Aimé. Ça veut dire, chaque ministre qui finit, sans qu'on pacte, sans qu'on respecte ou respecte. Revendication syndicale, pas seulement pour salaire. Revendication syndicale, avant tout, et tout ça, c'est pour ça, c'est pour amélioration de la qualité de l'éducation. Donc, amélioration de la qualité de l'éducation, il y a plusieurs aspects là-dedans. Amélioration de la condition de vie, à cause du travail professeur, c'est une volée. Améliorer le système infrastructure scolaire, son lot. Cantine scolaire, qui ça t'y a mangé dans la cantine dans son lot? L'autre nouvelle en tête collée avec le ministère Conditions Femmes et Droits Femmes présenté vendredi 6 avril là résultat étude exploratoire sur sexisme en Haïti dans politique. Étude ça a réalisé sorti octobre 2017 rivé janvier 2000 chita sous constat faible représentation femmes yo dans parlement avec violence qui enregistré contre femmes candidats dans élection passée yo. Présentation rapport ça fait en présence plusieurs représentants organisations femmes dans société civile là. Représentant à ONU Femmes en Haïti, Nadine Gazmandi, après présentation rapport ça, ONU Femmes proposé pour adopter diverses stratégies pour créer un environnement favorable qui facilite plus femmes participer dans la vie politique pays à en suivre. C'est une recherche très importante parce que la loi haïtienne part qu'il doit y avoir au moins 30% de candidats aux élections et dans tous les postes. Et il faut qu'il y ait un environnement qui permette aux femmes d'être des candidates viables et d'être élus. Le constat, c'est que les mêmes causes qui font aux violences aux femmes en général sont dans la violence politique. Et c'est une idée de mettre les femmes dans leurs droits traditionnels, c'est-à-dire chez elles, dans des rôles qui ne sont plus des rôles du XXIe siècle. Spécialement parce que l'Haïti, dans sa constitution, prend cette idée, qui est une idée qui est maintenant internationale, d'avoir au moins 30% de femmes dans la politique. Et ça, c'est parce que si on veut des démocraties qui soient représentatives, elles doivent représenter les populations. Et la moitié de la population d'Haïti, ce sont des femmes. Donc on aurait au moins besoin de 50% de femmes dans les postes, dans le Parlement, dans les ministères, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. On a des bonnes expériences à niveau international, en Amérique latine et en Afrique, qui démontrent qu'avoir de lois, de financement, de mécanismes pour appuyer les femmes et pour quand on dénonce la violence, faire quelque chose, c'est très important. Mais c'est aussi très important d'engager les hommes, que les hommes fassent partie de ce mouvement que ONU Femmes a lancé en 2014, He for She, E pour Elle, où les hommes appuient les femmes envers l'égalité, parce que l'égalité c'est bon, c'est merveilleux pour les femmes, mais c'est très bon aussi pour les hommes. Voilà, c'est sur information ça après on pose dans le journal la rete branché n'a tourné dans un petit moment. Dans le dossier sport football, l'Amérique a remporté 8e derby Cayen côté Liba Juventus yon gol à 0 hier dimanche là dans Parc Larco dans occasion 4e journée nationale 2e division 1. Et puis à l'étranger, championnat d'Allemagne, Bayern Munich, sacré champion saison 2017-2018. Nous invitons à suivre. América FC remporté 8e derby carréen, yon gol à 0 contre Juventus Football Club, journée dimanche 8 avril 2018, là, dans Parc Lacour au Caï, dans l'occasion 4e journée Serie A, championnat national football 2e division. Pour derby si là, fanatiques dans tout petit coin dans la métropole sud là, te répondre présent côté ses coéquipiers Jean-Gary Rubeyo qui remporté le grâce à Mackenzie Théogène. Un derby toujours est un derby, je pense que c'est bon pour moi à l'équipe là et pour ce championnat. Nous connaissons un derby, pas jamais un favori vraiment. Match à nous cas 50-50. C'est vrai, adversaire à lui jouer football, mais nous essayons de respecter le principe entraîneur, nous te marquons un goal et gérer à la 90e minute de jeu. Si je choisis, je fais un choix. Et je pense qu'il y a un autre club qui a fait approche de nous-mêmes, mais nous étions fidèles à l'équipe. Et je pense que l'objectif là, c'est ça. L'autre information,
5 victoires, 3 matchs nuls, 5 goals marqués. C'est bilan 10e journée Serie A, championnat national football première division qui déroulait le week-end qui se passait. Depuis un samedi 7 avril, Racing des Gonaïves était tenu en échec la KLI 0-0 face à KS Capoise. Dans l'autre match qui était joué en dimanche, Wanamet Football Club dominait Cavalli de Léogagne au goal à 0 dans le Parc Notre-Dame grâce à Frenel Julien. Baltimore Sportif Club tombait en déplacement dans le Parc National du Drapeau face à l'équipe locale là à Caraï Football Club. Football Club Petit Gouave qui était sous 3 matchs sans pas marquer et sans pas faire victoire, renoué à la victoire à côté le Bat Cosmopolite au goal à 0. Sous même score, Don Bosco bat à Sud-Est. Tempête de Saint-Marc imposait un goal à 0 contre l'Op Académie du Cap. Dans le Parc Gérard Christophe Léogagne, Valencia fait match nul 0-0 avec AS Mirbalet, qui toujours qu'un bête de classement championnat national football première division 1. Efika remporte chaque journée si là, un goal à 0 contre Racing Club Haïtien. La page recevra l'équipement par le week-end passé à notre caravane changement. Président de l'équipe de l'Anjo, Jovenel Moïse, prend engagement pour changer l'image de CDA, qui est capable d'offrir en plus l'opportunité dans le domaine touriste à la agriculture selon chef d'État. Environ 30 écoles peuvent inscrire élèves dans l'examen officiel 2018 et puis peuvent fonctionner pour l'année académique 2018-2019 parce qu'il n'y a pas de côté à l'air décision pour l'année qui se passe. Non pas sport football américain remporté 8e derby Cayen, côté des bases, Juventus, yon goal à 0 à yon dimanche dans un port largo dans l'occasion 4e journée championnat national 2e division. Eh bien voilà, amis téléspectateurs, c'est la journal La Boute pour jeudi. Merci pour fidélité ou attention. Nous invitons à rester branchés Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bonne semaine tout le monde.